pour les nouveaux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais organiser mon bureau avec vous car il y a eu un changement et j'ai envie de vous donner des nouvelles idées. Avant ça, je voulais vous dire que je viens de recevoir ma nouvelle trousse pour mon année de 4ème, mais je la reçois jamais quand je dois faire la vidéo What is in my backpack ou avant, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours la même chose. Bref, c'est pas grave, le plus important c'est qu'elle est là. Donc, la voici, devant c'est beige, derrière c'est bleu. Donc, ici il y a une première poche, ensuite, voilà l'intérieur. Donc là il y a encore une poche, avec une fermeture. Là c'est pour mettre des stylos, des crayons de papier, encore une petite poche et derrière c'est pour mettre tout, voilà tout ce que tu veux. Mais par contre en fait il y a la partie bleue, donc ça c'est quand elle est ouverte, ça veut dire que comme ça t'as plus de place pour mettre plus de choses et quand tu la fermes, et ben voilà c'est plus fin, donc c'est vraiment pour mettre moins de choses. L'idéal c'est d'ouvrir la partie bleue quoi. Donc voilà, c'est tout pour la trousse, j'espère qu'elle vous plaît et pour ceux qui sont intéressés, je l'ai achetée chez Amazon. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. On fait le check, 3, 2, 1, tac, tac. Hey, on commence tout de suite. Voici la nouvelle partie du bureau. Tadam! Donc, en fait, là, déjà, il y a des étagères. En haut, bah, on va dire c'est une grande étagère pour mettre plein de choses. Et à côté, en fait, il y a un tableau donc qui est aimanté et tu peux écrire dessus avec un feutre d'ardoise. On va tester. Voilà, ça marche bien. Nickel. Maintenant, feutre d'ardoise, effaceur. Petit trait. Efface. Nickel, ça marche. Donc c'est cool parce que tu peux noter des choses dessus et aussi tu peux accrocher des images grâce aux aimants. À côté de mon bureau, je vais mettre cette étagère. Ok, c'est bon. Et d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, la partie du haut ça vient de chez IKEA, la partie du bas donc le bureau aussi, et cette partie du haut elle est faite pour le bureau que j'ai, donc c'est parfait. Si vous avez ce bureau, vous voulez ça, ça rentre parfaitement parce que c'est la bonne taille. Pour la partie d'en haut, je vais mettre que de la déco. Donc déjà, cet éventail, hop là, car je trouve que les couleurs, elles passent bien avec bah, la chambre. Et en plus, il est tout nouveau. À côté, ça c'est deux petites boîtes que je trouve mignonnes, donc elles vont servir pour la déco, mais en fait je les ai pas encore ouvertes, donc il y a des biscuits, des Mikado, ça c'est goût fraise et ça c'est goût chocolat. Ça a l'air bon hein. Ensuite à côté, deux petites figurines, donc celle-là c'est Moulin en cochon avec un sac fleur, je trouve ça trop kiki. Et à côté, Moulin en petite sirène avec le sac étoile de mer. Voilà, donc c'est adorable et les couleurs elles passent super bien, vous voyez, aussi avec bah, du coup les boîtes, c'est rose et bleu. Après cette gourde, en fait ma toute première que j'ai eu comme ça, je l'avais cassée. J'étais trop triste, mais ma maman elle l'a retrouvée, je sais pas comment parce qu'elle avait disparu, elle l'a retrouvée dans le même magasin, donc c'est Miniso et voilà, je suis trop contente. Et pour finir, ce doudou, voilà, vous connaissez sûrement déjà, moi je l'adore, il est trop cute. Et c'est tout pour la partie du haut. Donc je vais aussi mettre de la déco. Dans la première étagère, je vais mettre ce caddie de Cinnamoroll avec à l'intérieur trois stylos, donc c'est les trois frères qui sont un petit peu partout dans ma chambre. Hop là. Parfait. Avec à côté Rondoudou, donc c'est un Pokémon, j'adore. C'est une planète. C'est goût pêche. Ça aussi je l'ai pas encore testé hein. Ça a l'air bon. Donc ça sert de déco mais à la fois bah, tu peux boire. C'est pareil comme les biscuits que je vous ai montré. Après dans mon rangement à tiroir transparent, je vais mettre dans le premier tiroir tous mes stylos
dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, avec des têtes d'animaux. On a cochon, on a vraiment de tout, 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 éléphant, licorne, etc. Moi, je les adore, j'en ai fait carrément une collection. Voilà, c'est bon. Et puis à côté, je vais mettre des Tipex. Hop là. Et un troisième. C'est bon pour le premier tiroir. On passe au deuxième. Oups. Dans le deuxième tiroir, des règles. Ouh. Attention. Comme ça. Hop. Celle-ci, c'est une nouvelle règle avec plein d'œils. Ok. Oh. Et puis 3 stylos 4 couleurs. Donc en fait c'est mes préférés. Parfait, ça rentre. Et puis le dernier tiroir. Je vais mettre plein de crayons papier. D'ailleurs j'en ai encore plus hein. J'en ai une tonne, j'en ai toute une collection. Parce que en fait bon, à fur et à mesure des années, j'en ai commencé à en avoir plein et puis je les ai gardés. On va essayer de les faire rentrer. Un petit espace. Ok. Et à côté, des mines. Parce que bah on sait jamais hein, si j'en ai plus. C'est toujours utile. Je crois que là, on est bon. Voilà. Maintenant, c'est le grand tiroir du bureau. Donc déjà, je vais mettre cette barquette avec à l'intérieur des Sharpies, ils sont tout nouveaux. On peut les utiliser comme feutre, mais c'est plutôt des surligneurs. On peut utiliser pour les notes, c'est écrit là. À côté, une deuxième grande barquette, donc enfin, c'est de la même taille, avec des feutres. C'est des feutres pastels. Ensuite, une troisième barquette de la même taille, avec des feutres qui brillent. Hop là. Parfait. Pour au fond, j'ai décidé de mettre des barquettes plus fines, comme ça, ça va rentrer. Déjà, là, plein de surligneurs. C'est du Stabilo. On les met là. Ah, il en manque. C'est bon. Ensuite, une barquette pareille. Donc, cette fois, je vais mettre des feutres. Et en fait, il y a un côté épais et un côté fin. Donc ça, je trouve c'est top. Moi, vraiment, je les adore. Des couleurs et tout, vraiment, ils sont sympas. Hein. Voilà, voilà. J'ai repris une barquette grande parce que en fait, il y en a plusieurs. Donc, c'est des Sharpies. Hop là. Ok, c'est bon. Ça rentre, oui. Ouf. Dans ce coin, j'ai décidé de mettre deux mini barquettes. Déjà, dans la première, des gommes. Comme ça, on est bien organisé. Oups. Celle-là, elle est nouvelle. Je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Et puis, dans celle-ci, t'as le crayon. Celui-là, il est nouveau. Je vous ai pas encore montré. Hop. Parce que ça va tout rentrer, ça va être chaud. Hein. Parce que lui, il est plutôt épais. Hein. Il est un petit peu gros, on va dire. Donc, il prend de la place. Et celui-là, c'est mon préféré. L'avocat. Moi, j'adore l'avocat. Et l'avantage c'est qu'il prend pas de place. Donc c'est bon. On passe au tiroir d'à côté. Hop, alors déjà je vais mettre cette barquette avec à l'intérieur des crayons de couleur. Hop là. Ensuite ici des feux. Waouh, parfait. Ok, et là devant deux mini barquettes avec ici des clés USB. Alors j'en ai bon bah trois qui sont plutôt originales. Un, c'est un flamant rose. Une pastèque. Miam. Oh, ça donne envie. Hein. Et un chamallow. Ça aussi, ça donne envie. Donc de la nourriture et un animal. Et puis à côté de la colle, on a toujours besoin. Donc ça, c'est de Mario. Et cette colle étoile. J'espère que ça va fermer. Hein. Oui, c'est bon. Ici, je vais mettre déjà des cahiers. Donc j'en ai, il y en a plein. Hein. C'est bon. Et trois mini cahiers. C'est des petits cahiers quoi. C'est bon. En dessous, je vais mettre tout ce qui est classeur, pochette, ce genre de choses. Hop là.
Ouh, c'est bon. Trois pochettes. Ok. Et puis la même chose, mais version mini. La dernière étape de ce coin-là, c'est la partie du bas. Je vais mettre des feuilles. On en a toujours besoin pour le collège et puis pour dessiner. C'est bon. Donc là, c'est vraiment bien organisé parce qu'avant, c'était un peu bordélique. Hein, je vais pas vous mentir. Maintenant, je vais faire cette partie-là. Dans ce coin-là, je vais mettre ce organisateur avec trois tiroirs. D'abord, le premier, je vais mettre des câbles. On va essayer de les mettre bien. Ensuite, des écouteurs, bon, des AirPods. Voilà. Et ça, c'est une batterie externe. Parfait. On passe au deuxième tiroir. Au fond, il y aura des stickers animés. Et devant, des stickers tout mimi. Tadam! Et puis pour le dernier, j'ai pas grand chose à mettre, juste un dessin. Bon, après, je vais remplir avec plusieurs dessins, je pense. Mais voilà, c'est un dessin que je suis en train de terminer. C'est Naruto. Et au-dessus, je vais mettre Totoro avec un sac de noisettes. Il est trop mignon. Là, je vais mettre mon support pour portable et je vais accrocher mon casque comme d'habitude. Je trouve que c'est une bonne technique. Hop là. Comme il fait chaud, je vais ajouter ce ventilateur avec un ourson dessus. L'ours blanc. Oh, il est trop cute. Hop là. À côté, ma lampe préférée. Donc, c'est l'ours blanc sur un nuage. En plus, on peut le retirer. Regardez. Tic, il est trop chou. On va le reposer. Parfait. Ici, t'allumes et tu éteins. Dans ce coin-là, je vais mettre cette figurine de Oshako dans My Hero Academia. Au milieu, je mets mon clavier avec ma tablette au-dessus. Mon stylet qui a un décor en fait de crayon. Hop, je vais le mettre là. À côté, je vais mettre ce dessous de verre, forme de fleur, qui est tout nouveau. Je l'adore, il est très très joli, je trouve. Sympa. Là. Et je vais ajouter mon verre dessus. Une image ici. Ok, là je pense que c'est bien. Un sticker, peut-être ici. C'est molin, il est trop chou. Un autre, on va le mettre là. Hop, c'est bon. Bon, j'ajouterai plus d'images, de déco au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est ça. Ah, et d'ailleurs, j'ai trouvé ce sticker, du coup, bon, bah, je l'ai ajouté. J'ai aussi ajouté cette lumière qui change de couleur. Rouge, vert, bleu. J'ai profité pour décorer l'étagère d'à côté. J'espère que ça vous plaît. C'est le moment de la dédicace et les personnes sont Sonia et Amira. Merci de regarder nos vidéos et partager. Je vous fais plein de gros bisous. Tada ! J'ai fini. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao !